Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on était avec Flavor, Ada Ada. Oh waouh, j'adore cette chanson tout simplement parce qu'elle est romantique. Vous savez que lorsqu'on parle d'amour, Rose Mouni y est. Donc voilà, dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler simplement de cheveux, de pousses de cheveux. Est-ce que vous avez des soucis de cheveux comme moi? Vous êtes toujours demandé pourquoi je mets des perruques, pourquoi je mets des greffes, pourquoi je mets des mèches, pourquoi je mets des extensions, mes chéris. C'est parce que là-bas, là, ça ne va pas du tout. Oui, c'est la catastrophe, le désordre, bref. Donc, vous voyez, quand je me peigne, encore là, c'est rien. Ça sort des quantités comme ça, là. Donc, encore là, c'est rien parce que ça, c'est ce que j'ai peigné. Après, j'ai jeté tout le reste. Ça me sort des grosses boules de cheveux comme ça. Donc, oui, comment faire lorsque vous avez ce genre de problème? Je vais vous montrer deux huiles, juste deux huiles. Et qui sont simplement, vous savez que moi, mes recettes se veulent... limite gratuite. Oui, si vous pouvez vous obtenir ces huiles-là, c'est des huiles bas de prix, mais et pourtant qui fonctionnent très bien. Deux huiles que vous connaissez. Oui, oui, deux huiles dont on parle et on reparle souvent dans nos vidéos. Donc, la première huile, c'est de l'huile de karité. Oui, ça se présente comme ça en Afrique. Hein. C'est parce qu'il fait super chaud ici, là. Donc, c'est pas blanc, c'est pas dur. C'est pas un bloc. Non. Et la deuxième huile, c'est l'huile de manianga, l'huile de palmiste. Oui, oui. Donc, je vais vous mettre, si vous avez besoin de savoir où vous en procurer, je vais vous dire où, dans la description de la vidéo. D'accord, mes chéris? Ou alors, suivez-moi simplement sur les réseaux sociaux. Il y a toutes les infos sur mes réseaux, sur mes pages sociales, ma page Passion, Passion, tout ça. Donc, voilà. Ici, je vais maintenant vous mettre, je vais vous dire comment utiliser ces deux huiles pour... booster la repousse de vos cheveux. Vous qui avez des cheveux abîmés, vous voyez tout, c'est toutes ces choses là oui, comment utiliser des huiles, mais surtout pour attendrir, adoucir et booster la pousse des cheveux. Pour cela, vous aurez besoin d'une cuillère de cette huile et d'une cuillère de cette autre huile, d'accord mes amours? Donc voilà, à peu près une cuillère on va dire. Hop, voilà. Et d'une cuillère, celle-là aussi. Voilà. Voilà ce que ça donne. On a deux cuillères d'huile là. Hop, voilà. Maintenant, avant de l'appliquer sur les cheveux, vous allez me demander pourquoi ces deux huiles-là. Quelle est la différence entre ces deux huiles et les autres huiles? Oui, mes chéris, je sais que vous aimez savoir. Donc, je vais vous parler de ces deux huiles avant de l'appliquer sur mes cheveux. Mes amours, sachez que le beurre de karité est un fruit qui provient d'un arbre qui s'appelle l'arbre à karité, ou alors de son nom scientifique, Perki. Ou alors de son nom scientifique, Buckyrospermum Perki. Donc, ça, c'est son nom scientifique. Donc ça c'est son nom. Cela coûte en moyenne entre 30 et 100 euros le litre, dépendant du pays d'où vous... Sachez que cette huile est composée d'oméga 9. Sachez que mes amours, cette huile est composée d'oméga 6, d'oméga 9 et bien sûr d'acide palmique. Et si je vous dis oméga 6, oméga 9, toutes ces choses, lorsqu'il y a oméga... Sachez que le beurre de karité se distingue des autres huiles par la forte, par son pouvoir à protéger les peaux contre les infections externes, régénérant, réparateur, boostant la repousse. Ça, c'est bien sûr antioxydant, anti-inflammatoire. Oui, les vertus sont illimitées de cette huile et c'est pour ça que je vous la recommande vivement. Et prenez la bio, de préférence qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été raffinée. Des huiles venant d'Afrique comme celle-ci. Oui, vous voyez encore dans les bouteilles de top de jus, c'est des huiles tout simplement brutes, faites à l'état brut. Plus pire que ça, vous n'aurez nulle part, mes amis. Mais je vous dis déjà que ici, je n'ai même pas cité les 1/10 des vertus de cette huile parce que c'est tout simplement impossible pour les femmes. Les hommes, les enfants, les adultes, ceux qui ont des problèmes sexuels, d'érection, que les femmes. En fait, ce que vous pouvez imaginer, cette huile est tout simplement nos limites. Oui, sans limite. Et je n'exagère pas, mes chéris.
Maintenant, l'huile de palmiste, oui, cette huile spécifiquement faite pour les peaux et pour les cheveux. Cette huile, pareil que l'autre huile, est hyper riche, que ce soit en acide linoïque, en acide... c'est une huile tout simplement impossible, remplie de multitudes... Voilà, donc vous voyez, vous pouvez vous en mettre partout, sur tout le corps, que ce soit les cheveux, le corps, la peau, partout. Je vous assure, mes amours. Donc, oui, voilà. Maintenant que je vous ai expliqué à peu près de quoi sont constitués, à peu près, parce que je n'ai même pas effleuré le sujet, oui. Donc, je vous conseille vivement de regarder, hein, de faire des petites recherches là-dessus, mes amours. Maintenant, je vais vous montrer comment j'applique ça sur mes cheveux. D'accord? Donc, voilà. Surtout pour booster la repousse sur les côtés, hein, parce que j'en ai vraiment pas du tout sur les côtés. Et aussi, là, voilà. Donc, comme ça. Je prends une grosse cuillère comme celle-ci, hein, et je me la mets dans la main, hein. En fait, un bain d'huile, quoi. Et je... Bon, à mon avis, le seul inconvénient que j'ai trouvé à cette huile, c'était l'odeur, en fait. L'odeur. Voilà. Maintenant, pareil pour le troisième. Donc, moi, je sépare généralement en quatre. Hein. Mais après, bien sûr, si vous avez le temps, vous pouvez faire en plusieurs. Vraiment, si vous avez le temps, d'accord? Une fois que vous avez fini de faire mariner, vous faites des tresses comme ça. C'est tout simplement pour permettre au produit de bien rentrer sous les lignes, sous les petites lignes là, et de pouvoir bien hydrater les cheveux comme il faut. Bien sûr, de booster la repousse. Et voilà. Donc, vous faites ça deux fois par semaine, le temps que vous laissez deux fois. Et à chaque fois, vous relavez les cheveux et vous réappliquez exactement la même quantité, une cuillère de chaque. Et ensuite, vous laissez simplement comme ça tous les deux jours. Vous faites ça. Vous allez voir, en une, deux semaines, non seulement vous aurez une bonne repousse des cheveux, mais vos cheveux seront super tendres, de très très bonne qualité. Et vous qui avez les enfants métissés, les petits enfants qui ont des cheveux rêches, que vous soyez blanche, noire ou n'importe quoi, asiatique, je ne sais pas, et que vous avez du mal avec les cheveux de vos enfants, oui, savez-vous de ces produits-là? Ça va instantanément adoucir les cheveux, hein? Instantanément, je dis. C'est pas que ça va attendre demain, après-demain, non. Ça va instantanément adoucir les cheveux. Et faites ceci pour, voilà, pour que ça rentre bien, que ça macère bien. Et vous faites le procédé. Pour les enfants, vous n'êtes pas obligé de faire tous les 2-3 jours, non. Vous pouvez se passer un petit peu plus tous les 4 jours, tous les 5 jours. Et je vous assure, vous allez être contents. Donc, voilà, mes amours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein? Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Et comme je dis toujours, n'oubliez pas, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook. Et plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous.